Cet endroit a changé. Ces mecs et leur bagnole, du respect pour personne. Il est temps de mettre fin à tout ce cirque. Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Undercover pour l'épisode numéro 1 qui s'appellera épisode 1 redécouverte, car le jeu, oui, est quand même assez vieux. Il est sorti en 2008 sur plusieurs plateformes dont le PC. Voilà. Donc moi, comme vous pouvez voir, le jeu là, je l'ai sur le PC. Donc dans cet épisode, nous allons parler du gameplay, des graphiques et surtout des cinématiques. Tout en enchaînant les courses. A progressé de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Ça va continuer longtemps? Ne revenons pas là-dessus. Vos résultats parlent pour vous. Votre dernière infiltration dans le milieu de la course pour arrêter des voleurs de voitures a été exceptionnelle. La police locale m'aide moi à monter ces opérations, voire des années. Je n'ai pas tout ce temps. Quelques semaines au plus. Le FBI rejoint la partie. Je serai votre contact. On soupçonne une bande de pilotes de course sauvage d'être mêlée à divers trafics internationaux. Écoutez, désolé de vous dire ça, mais ce genre de bande ne s'implique jamais dans des trafics... Lieutenant Keller, mes services ne s'intéressent qu'aux gros poissons. Nous sommes à la recherche de preuves liées à un vol de voiture dans un port il y a quelques semaines. Ces preuves feront plonger tout un réseau de grand banditisme dans plusieurs pays. Et nous pensons que les voitures sont aux mains d'une de ces bandes. Il leur faut un pilote. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Mon job est de vous infiltrer. Rien de moins, rien de plus. On y va. Ok, donc voilà, je vous ai pas menti, Need for Speed Undercover. Je vous ai fait le let's play entièrement sur Need for Speed Motion Dead qui était sorti en 2005. Bon, entre temps, il y a eu Need for Speed Carbon, mais j'avais envie de revenir sur un jeu que j'ai apprécié à l'époque, c'est-à-dire celui-là, Need for Speed Undercover. Donc voilà, allons-y, on va commencer à enchaîner quelques courses. Donc, allons-y. Allons-y pour notre première course qui va être très facile. Hein. Qui va être très facile parce qu'en fait c'est la toute première, donc. Donc voilà. Ah merde. Wow. Alors désolé pour les droits d'auteur à YouTube, mais moi j'aime bien jouer au jeu de voiture avec un petit peu de musique. Donc dans les gameplays, je laisserai... Je laisserai un peu les musiques, hein, bien sûr. Sauf que, attendez, on va faire juste un petit peu tirer de l'âge au niveau de,
de la voiture et au niveau de la musique quand même, parce que j'ai l'impression que ça gueule. Donc on va le descendre là, 40, ça me semble bien. Voilà. Ensuite, nous allons options, les commandes, ça c'est très important. Alors, oh non, 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 merde, échappe, voilà. Alors, tac, tac, oh, tourne à gauche, on ne touche pas, super contrôle, hop, nitro, hop, voilà, tac, et hop. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On s'en bat le steak un peu parce que moi, je vais jouer en transmission automatique. Changer de caméra. Voilà. Tac. Voir derrière. Voilà. Et tout me semble correct. Donc, allons-y. On peut continuer. Voilà, c'est bon. Vous voyez, la musique, c'est mieux. Hein. On entend plus le son de la voiture que la musique. Ça, c'est beaucoup mieux. Et encore, je trouve la musique encore un peu trop forte. Mais bon, on va la laisser comme ça. Ah. Ah, ça met un peu d'ambiance comme ça. Alors. Ah oui, j'ai pas de nitro à celle-là. Vous dominez, mais en même temps c'est facile. La première mission, elle est très simple. La première course est souvent très très simple. Donc bon bah là on va faire la seconde course. Dans cet épisode on va enchaîner un maximum de courses. Hein. Les vidéos sur ce jeu pour chaque épisode dureront entre 30 à 45 minutes. Donc voilà. Sauf à part celle-là hein, qui va durer à peu près 45 minutes voire une heure. Sauf c'est la première vidéo et que c'est une petite vidéo, que c'est une vidéo redécouverte. Voilà, on va le faire tranquillement jusqu'à notre premier boss. Et oui, parce que dedans il y a des boss aussi à battre. Eh oui, nous sommes en mission d'infiltration, donc effectivement. En fait, nous sommes flics en fait dans le jeu. Et on fait nous sommes en mission d'infiltration pour arrêter un grand réseau de courses urbaines. Et pour cela, écoutez, je connais pas l'histoire, donc on découvrira ensemble. Mais sinon, la jouabilité, elle est vraiment très bien. Rien à dire sur ça. Et en plus. En plus, avec un total de record de 1 minute 46 pour faire les deux tours. Ah, ça, c'est vraiment très bien. À toute transmission. Alors ça, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça veut dire à tout convoyeur, parce que moi, je sais pas, en fait. Oh,
Moi, généralement, je n'y connais rien niveau voiture. Hein. Ne m'appelez jamais pour réparer votre véhicule ou quoi, parce que ça va encore... ça risque d'être pire que mieux. Et là... Bonjour, le gameplay est très très simple. Attendez, juste un petit truc quand même. C'est pas que... voilà, mais... je préfère encore baisser un petit peu. Ouais, en fait, c'est pas fixe, en fait. Allez! Oh merde! 15%, non, c'est trop bas. Voilà, 30%. On va le baisser à 30, comme ça. Là, on entend vraiment le bruit de la voiture. Voilà, là, ça, c'est bien. Je suis désolé, hein, vu que c'est la vidéo redécouverte, hein, que c'est notre premier épisode aussi. Bah en fait, il y a quelques petits réglages que je ferai en cours de vidéo. Hein. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça prend pas longtemps. Donc voilà. En espérant d'ailleurs que cette vidéo vous plaise. Faites-le moi savoir en mettant un petit like ou un petit commentaire sur celle-ci qui fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de venir vous abonner si vous le voulez bien. Si vous voulez voir plein d'autres jeux encore, il n'y a aucun problème pour moi, vous savez. Wow! Alors là, duel sur autoroute. Là, vous allez voir, c'est très chaud. On va le bâtard. Ah, le bat... Pardon. Et je savais pas que je pouvais faire des trucs comme ça, moi. Allez, il va pas en avoir de folie. C'est pas ça pour moi. Ah, comment il me bouscule ce malade. Je suis choqué. Il faut que je rattrape avant la fin du temps. Aïe, ça fait mal. Ça, un mur comme ça là, quand même. Wow. On va rejouer. On va le refaire. Ah, et puis j'ai pas de nitro, c'est con. Ah, c'est pas vrai, ça. Je suis juste derrière lui, c'est possible de
encore le rattraper. Enfin, presque. Allez, on va rester sur cette épreuve. Je ne sais pas combien de temps. Super. Non, mais c'est parce qu'en fait, il pousse, en fait. Dès le début, il... Tout à l'heure, ça me le faisait pas, ça. À ce clignotement des yeux, c'est la main rassurée, voilà. Exactement. C'est bon, j'ai perdu. Putain, l'enculé. Vas-y, qu'est-ce qui manque là tout à l'heure? J'y arrivais carrément bien. Je suis en train de le distancer là. J'étais en train de le distancer, putain. Il va vite. Vas-y, j'arrête pas. Ça me saoule là, vous savez. On va rester coincé là pendant je sais pas combien de temps. Allez, c'est parti. Vas-y, on arrête de parler. Là, on se concentre. Allez, faut que j'arrive à me distancer là, allez. Que je reste premier. Putain, mais dégagez, va t'enculer. C'est bon, hey, heureusement que j'ai gagné, hein. Heureusement, parce que là, remarque que c'était à fin, parce que là, sinon... Voilà, mais ça c'est bien comme ça. Allez, on va aller en suivant. Alors, on a perdu un peu de temps. Hein. Désolé, j'ai pas l'habitude. Par contre, je vais augmenter le son de la musique parce que j'aime bien entendre la musique. Attends, je vais regalérer. Ouais, c'est bon. Tac. 40. Voilà, c'est bon. Sympa, impeccable en fait. Allez. Et on va continuer avec le deuxième duel sur l'autoroute. Qui est vraiment très chaud. Alors, tout à l'heure, j'ai réussi à le faire comme ça. Du premier coup. Et c'était tout à l'heure. Alors, les jeunes qui regarderont cette vidéo, je vous conseille de ne pas faire pareil.
je vous conseille de ne pas faire pareil, de rouler très prudemment sur l'autoroute. Hein. Là, je fais ça, mais ce n'est qu'un jeu vidéo, je le rappelle. Allez, reste 10 secondes, allez. En fait, c'est facile, faut éviter toutes les... Faut éviter les voitures, en fait. Voilà, il était juste derrière, il était... Mais non... Il était pas en train de me rattraper. Voilà, nouvelle cinématique. Il paraît qu'il y a une grande course aujourd'hui, côté ouest. Tu seras très observé, alors... Faut que tu assures. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la femme là que vous venez de voir, en fait, Chase Lynn, c'est l'héroïne de la série de Nikita. Fais-toi remarquer, ils viendront te chercher. Franklin Avenue, 7h30. Toutes les voitures qu'il y a, moi je me ramène avec des petites voitures des années, je sais pas combien. Qui marche très bien, donc je vais pas la critiquer. Mais elle est un peu longue au démarrage, hein, sérieusement. Ouais, franchement, voilà. Donc, tout à l'heure, je disais que les défis autoroute, les duels autoroute, je les ai fait tout à l'heure en enregistrement également. Mais sauf que le jeu a planté. Je ne sais pour quelle manière. Donc, j'ai perdu la vidéo. Donc, là, en fait, c'est ma troisième prise en fait que je suis en train de faire. Donc, j'espère que ça va aller. De toute façon, si le jeu viendra à rebugger, c'est bon, j'ai trouvé la tactique. Pour éviter de tout refaire. Donc là, c'est vraiment la bonne prise. Du moins, j'espère. Lolo, vas-y, non. C'est mort, dégage-toi. Toujours avec cette voiture verte là qui me colle au cul à chaque fois. Tout à l'heure, c'était pareil. Elle m'a collé et tout. J'ai cru que j'avais pas gagné, mais en fait, bah, je l'ai niqué comme là. Voilà, je domine et je domine et je domine encore et encore. Voilà le moteur, voilà les frères. Oula. Pas mal. Je vois que tu as rencontré Hector Maillot. Il dirige un petit gang de voleurs de voitures dans le secteur. Pas mal du tout, cousin. Le type un peu soupolé, c'est son frère, Zach. Un bon à rien, mais qui se démène pour devenir quelqu'un. T'as le choix. Vas-y, tu peux prendre la caisse d'un de ces losers, mec.
Ok, par contre, la petite blague est pas mal, hein. Alors, il y a Pontiac Solstice. GXP, non. Volkswagen R32, non. Lotus Elise, j'hésite. Nissan Silvia, non. La Chevrolet Camaro SS, non. La Plymouth Hemi de Cuda, non. La Ford Escort Cosworth RS, non. On prend la Lotus Elise. Le comportement, il a l'air d'être vraiment mieux. Donc on va prendre celle-ci. Et puis ben, on va continuer sur le même. Sur la même allée. Enfin, sur la même allée, sur... On va continuer les courses, je veux dire. Mais comme on a vu, que si vous êtes là à regarder cette vidéo, là, en ce moment même, c'est pour voir des courses sur Need for Speed Most Wanted. Allez, encore une fois doublé. Oh là 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 là, ça c'est bien. Donc. Alors, la maniabilité du véhicule dans ce jeu, allez, bah, pour moi, je la trouve excellente comparé à des jeux de voiture où ça part un peu dans tous les sens. Ah là 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 là, quel bon jeu. Ah, quel bon jeu, non, il y a mieux. Hein, Mais pour l'époque, niveau graphique, il est sorti en 2008. Niveau graphique, franchement, ils se sont pas mal démerdés. En même temps, presque tous les Need for Speed, hein, c'est pas pour leur lancer des fleurs, mais... Chaque Need for Speed que j'ai joué jusqu'à maintenant, je les ai trouvés vraiment, vraiment bien foutus. Que ce soit au niveau graphique ou gameplay. Franchement, rien à dire. À part le nouveau là, non. À part, il y en a un. Need for Speed Most Wanted là. Il y en a un qui est sorti en 2005, celui que j'ai fait sur la chaîne, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous les avez pas encore vus. Et il y a celui de 2013 là, le Most Wanted de 2013. Franchement, celui-là, j'ai moins bien aimé parce que maintenant dans les Need for Speed, il n'y a plus d'histoire en fait comme ceux-là, là, comme ceux d'avant. Regardez la Undercover, il y a une histoire quoi. T'es flic, t'es infiltré et tout. Il y a des cinématiques. Franchement, c'est bien. Mais maintenant, les nouveaux Need for Speed, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a plus tout ça quoi. Si, à part le dernier. D'ailleurs, il faut toujours. Une connexion internet pour y jouer, sinon c'est mort. Enfin. Et ben voilà, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pack d'amélioration. Ah non, ça c'est pour... ok. Alors niveau réglage des moteurs et tout, moi je ne touche pas. Généralement, j'évite d'y toucher. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, je n'y connais rien du tout. Donc, allez, on va aller là.
Apparence, on va changer la couleur. Voilà. Cette fois-ci, c'est... Cette fois-ci, c'est vraiment la bonne, hein, j'espère en tout cas. Alors. Merde. Je l'ai passé. Voilà, c'est bon. Je garde cette couleur-là. Ok. Merde. Au niveau couleur, sachez que je suis très maniaque. Voilà. Non, je veux pas annuler. Voilà, là oui. Donc voilà, bon. Bah, ma couleur, elle est bleue. Donc, allons-y, on va jouer. Alors, sprint. Alors, on va faire la course suivante. On va essayer de tous les faire, en fait. Attends, on a changé de couleur, tout à l'heure, elle était rouge. Encore ma couleur là me plaît pas trop. Hein. Je sais pas, la trouve pas comme tout à l'heure. Ah, j'ai du nitro là. Bon. Ça, c'est bien. Ah, bon, on est au garage vite fait tout à l'heure. Pour rechanger la peinture, c'est pas très grave, ça c'est qu'un petit détail. Je vous ai dit, hein, niveau maniaque, franchement, je suis le premier. Ah, la musique en arrière là, elle est vraiment bien, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Le décollage, alors là, franchement, bien, bien joué, mon pote. Allez. Commence à rouler vite, là. C'est pour ça qu'on va faire un petit truc comme ça. Regardez, je vais tellement vite que... Les graphiques ont du mal à suivre la vitesse du jeu. Et voilà. Et je domine, encore et encore. Alors, attendez, hein, je vais... finir après, je retourne au garage, pièce touriste, parce que la couleur, je sais pas, elle est, non, je sais pas,
Ah, bizarre. Là, voilà. Voilà, là c'est bon. Là, il me plaît, là, voilà. Là, c'est peut-être exactement la même couleur qu'il y avait il y a quelques instants, mais pour moi, voilà, c'est bon. C'est ma couleur, c'est celle-là. C'est exactement la même, hein, je sais, hein, c'est. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi, c'est. C'est un peu maniaque sur les bords. Très maniaque. Dès qu'il y a un millimètre qui va pas, juste un petit millimètre, ben, je suis pas bien. Je transpire, je pleure, je suis triste. Oh là là! Là, ma couleur, là, de la voiture, là, tu sais pas pourquoi, ouais, je l'aime bien. C'est exactement la même, je sais, mais voilà, je sais pas. Et là, comme vous pouvez voir dans ce jeu, en fait, de nouveaux modes de jeu, de nouveaux modes de course sont arrivés, hein, comme là, le mode poursuite, qui veut dire tu dois rester 1 minute devant l'adversaire en choisissant n'importe quelle route. Là, comme vous pouvez voir, je l'ai bien tracé. Impossible de me rattraper. En 3 secondes, franchement. Voilà, c'est bon. Allez, j'ai gagné. Et voilà. Pam, 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 pam. Sachez que je vais changer aussi, en cours de cette vidéo, nous allons changer. Le kit de carrosserie de la voiture. Et j'attends d'augmenter un peu l'argent. Parce que là, bon, bah, j'ai presque plus rien, quoi. Bah, si, j'ai encore des sous, mais de l'argent, mais voilà, quoi. Et là, comme vous avez pu voir, comment j'ai doublé l'autre véhicule. Eh oui, Johnny est en tête. Une fois que j'ai fait ça, hein, quand j'étais plus jeune, que je l'avais sur mon ancien PC. J'ai fait ça et en fait j'ai raté mon saut, je me suis pris le mur quoi. Mais la ville dans ce Need for Speed Undercover est immense. La map dedans elle est immense. Wow! Ça a raccroché. On va le rappeler et on vous envoie la description. Attendez. Je m'en occupe, pas de problème. Change de route. Putain, franchement, bien joué là, sérieusement, très belle course.
avec toi. Commence par énerver les autorités locales. Ok, bon, on va les énerver tout de suite alors. Allez, on enchaîne avec le sprint. Et tout le monde se pousse. Excusez-moi, j'aimerais passer avec ma petite voiture de sport. Excusez-moi. Je vous avez perdu comme d'habitude. Laisse-moi passer, toi. Oh là là. Hop là, vous avez vu ça, le talent là. Le talent que j'ai fait. Waouh. Hop là. À chaque fois essayer tout à l'heure, j'ai bien pris, hein, mais là. Mais bouge de là, merde! Ça, y'a pas que moi qui suis pris la voiture, eux aussi. Tant mieux pour moi. J'ai pas cherché à comprendre là, j'ai pris le raccourci, j'ai dû rester sur la route. Non mais là j'ai failli me planter là, j'avais pas vu que tu fallait tourner à droite. Les cours durent de plus en plus longtemps. Ça, tant que j'y arrive, c'est bon. C'est bon, j'ai encore gagné. Allez, on va énerver un petit peu la police là. À toutes les patrouilles, on a appréhendé un chauffard. Gros risque d'accident. Sauf en cas d'urgence, les unités sont réquisitionnées pour l'opération. Le centre de com se branche sur le canal SAC. Le suspect a une voiture de sport bleue. Attendez, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Le suspect part vers l'est, je répète, direction est. Centrale! Envoyez les urgences là, il faut faire vite. Il y a trop les gars là. Oh là là. Ok, notre ami roule du mauvais côté. Sans blague! J'ai pas envie de rouler du bon côté moi. Loin de là. Aïe. Ça fait mal. Dites-moi où vous en êtes, dès que possible. Il essaie toujours de me semer. En même temps, je vais pas me laisser faire, mon pote. Je risque de le perdre, je vous rappelle. Poursuite en direction du sud. Je vois plus le véhicule. Quelqu'un d'autre le voit ? On l'a rattrapé, toujours en code 3. C'est bon, coincez-le. Tiens, je vais le percuter. Poussez-vous. Négatif pour l'arrêt. Il roule toujours.
Vos unités de renfort, le suspect a été vu pour la dernière fois en direction du sud, je répète, du sud, sur Ocean Express. Vous avez l'autorisation de mise en place du verrouillage de la zone. Voilà, c'est bon. Finish. Alors, c'est qui le boss? Tu as fait forte impression. Continue comme ça. Ils appelleront, crois-moi. Allez, coup pour l'État. Alors là... Le truc qui est dommage, c'est qu'il y a du temps. Attention, patrouilleur, on nous signale une poursuite engagée contre un ou plusieurs codes 6. Les unités en 18 sont demandées en renfort. Le suspect a une voiture de sport bleue. Elle dit déjà, elle. Attendez, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Il va vers l'ouest. Vers l'ouest. AVP volontaire du suspect sur un civil. Je l'ai perdu, je répète, je l'ai perdu. Ok, je le vois, je m'en prends la poursuite. Oh là 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 là. Quel vilain petit délinquant celui-là. Ok, Sent, rejoins la poursuite. Attendez mes instructions. Merde. Ils sont sérieux, pas vous là. Voilà. Veuillez faire le point. Insurgé, toujours en code 3. Juste derrière lui. Centrale, le suspect vient d'occasionner de gros dégâts et il a pris la fuite. Compris. Je vous envoie les urgences. Ça va encore augmenter ma prime un petit peu. Le suspect a été vu pour la dernière fois en direction du sud sur l'Ocean Freeway. Nous allons boucler le périmètre autour de sa dernière direction connue. Et ben voilà, c'est fini encore. Et je domine, et je domine, je domine toujours. Total, je crois vraiment qu'on perd notre temps à le chercher ici. Je demande permission d'arrêter les recherches. Oui, et on va faire un autre coup pour l'État, tiens. Et ça, faut que je gagne un petit peu d'argent. Attention aux unités de Sunset. Les unités poursuivent un suspect en délit de fuite en direction du nord sur Sutton Lane. Toute communication sans rapport avec la poursuite se fera sur les autres canaux. Le suspect a une voiture de sport bleue. Attendez, je vais essayer d'en savoir un peu plus. À toutes les unités, je vais neutraliser le véhicule, attention. Unité en service, on a perdu un véhicule. Et 15 000 quand même qu'il faut faire. Il vient de virer au nord. Je vois plus, mais je garde le cap. On sait jamais. Oui, 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 oui. Personne me voit, c'est normal. Je suis pas là. Comme par hasard, là, tu me rattrapes. Alors, centrale, je vois plus le suspect. Non, correction, je le vois bien en fait. Il a quitté la route.
et il fonce sur l'aqueduc. Je suis derrière lui. Attention, il y a de gros dégâts ici. Il faut vite nous envoyer des renforts. Je confirme, le suspect a été vu pour la dernière fois. Direction de l'Est. Sur Alena Boulevard. Mise en place d'un verrouillage des alentours. C'est bon, c'est déjà fini. Oh là. Eh, niveau 4. Mais oui. Point des zones. Ok, bon. Zach. Ouais, un peu qu'on se connaît. Ok, je te propose une petite course. À 6h, Hall Cutler Road sur le bas-côté. Toi et moi, mec. Allez, il a l'air énervé. Toi et moi, d'accord. Bon, allez, on va le calmer directement, lui, hein. N'oublie pas, Zach n'est qu'une petite frappe. Mais c'est peut-être lui la clé de tout. J'aime pas les duels de trucs comme ça. Regardez, il y a plein de monde. Oh non, mais dis-moi pas que tu vas avoir FC quand même. Toi, cousin, je vais t'exploser. Ouais, ta gueule, ouais. C'est moi qui vais t'exploser, mon pote. Putain, t'as pas. Encore 30 secondes. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai niqué une fois. Il a dit ouais, c'est sous-estimé. Il me tient au courant. Ok. Très bien, mon pote. Pas de problème. Oh, je check point. Allez. On va essayer de modifier un peu ma bagnole. Alors, tac, on va rentrer là-dedans et on va faire garage. Carrosserie. On va mettre ça. Hop là. Tac. Après, bon. Après, celle-là, elle est belle aussi. Hein. Bon, enfin bref, mais j'ai pas des sous. Donc, le capot. Voilà. Tout va bien. On va faire une voiture moderne. Les quatre roues. J'avais trouvé une belle. Voilà, cela. Cela, j'aime bien. Donc voilà. Hop. Allez. Spoiler, non, je sais pas, j'ai pas envie d'en mettre. C'est bloqué aussi, ça. Donc, on va mettre cela. Série, c'est quoi? Allez, hop. Et puis, bah voilà, c'est bon, c'est fait. Tout va bien. Ah, le spoiler, attendez, je vais essayer de voir quand même pour en mettre un.
Un petit comme ça, ouais. En vrai, c'est bloqué, donc. Voilà. Un petit comme ça. Pas mal, non? Bon. Allez. Hop, maintenant, c'est bon. On y va. On continue. On continue un petit peu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que c'est une bonne idée. Le spoiler derrière gâche un peu tout. Ouais, non. Non, non, on va le laisser. Checkpoint. On va avancer. Pourquoi il avance pas? C'est moi, il y a du Michael Jackson dans ce jeu. Écoutez bien, si vous arrivez à entendre. Ah non, non. Là, c'est pas Michael Jackson. Là, je me suis trompé. C'est-à-dire, qu'est-ce que Michael Jackson fout là-dedans? Bonjour, facile. Hein. Plus facile que ça, il n'y a pas, hein, les amis. Ah, j'étais obligé de faire le super contrôle là parce que sinon le mur était pour moi. Ah, les courses sont de plus en plus longues, hein. On le voit bien là. Hein. Waouh. Sur le dernier en plus, sur le dernier. C'est bon, fini. Pour moi, bien joué. Là, pas de problème. Je vais enlever le spoiler parce que je sais pas, j'aime pas. J'aime pas, ça fait bizarre au niveau de la voiture, c'est. Non.
Ah putain, on peut pas l'enlever? Ah, je suis dégoûté. Attendez. Normalement, on peut enlever un truc. Hein. Non, mais moi je voudrais l'enlever. Oh putain. Oh merde, putain, on peut pas l'enlever. Putain, pourquoi je l'ai mis? Bon bah, on fera avec. Alors, on va finir ce circuit. Qui est de plus en plus long d'ailleurs. Allez, on y va. Bon, vas-y, tant pis. Hein. Tant pis pour les spoilers. J'aurais pas dû le mettre en fait. C'est moi qui est con. Ah, j'avoue. Allez. Putain, à cause d'une poubelle de merde, hein, vous avez vu? Ça va aller, je vais la redoubler. Tranquillement. Ah, regardez, vous avez vu? Même pas besoin de se... Alors là, il faut que je fasse attention. Là, ça, il n'y a pas de poubelle qui va me gêner. Mais une voiture va me gêner, évidemment. Toi, c'est mort. C'est mort, dégage. Et hop là, c'est bon, je t'ai niqué. Et t'es juste derrière moi, hein, putain. Allez, vous avez gagné. Et nous allons monter au nid. J'ai une boule pour toi. Il y a deux bagnoles qu'on aimerait bien trouver, si tu vois ce que je veux dire. Retrouve-moi dans le South Side. Ouais.
Ok. Bon, on va faire cette mission et on va se quitter là. Dommage, on voit pas notre personnage. Waouh! Bon, bah ça. Cette voiture à l'entrepôt en bon état. Et après, on causera de ton avenir. Bon, je vais miser sur toi. Et miser, j'aime pas trop ça. Alerte à la patrouille. Vol de voiture avec effraction au hall d'exposition d'Altamont. Le suspect a carrément défoncé une vitrine. Oh non, non! Yo mec, t'as les flics au fait! Sème-les avant de livrer la voiture! Centrale, 649. Tu viens d'assister à un délit de fuite. Je vais essayer de rattraper. Le véhicule est une sportive grise. Attendez, j'ai pas encore identifié le modèle. Il y a un excès de vitesse et il accélère. Ouais, apparemment le véhicule... On a mis le barrage en place, y a plus qu'à nous lâcher. Ok, il part vers l'est, poursuite vers l'est. Sauf que ton barrage, il a rien fait du tout. Code 3. Putain, je suis au niveau 5 quand même. Rattrapez le gold, je suis juste derrière. Ça va être chaud pour essayer, mes gars. Un véhicule de moins, je répète, un véhicule de moins, ils vont avoir besoin d'aide. Allez, cousin, sème les mecs en bleu. Mais ta gueule, oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai essayé de mettre putain de poulet, t'inquiète. C'est prévu que j'essaie. Wow, comment j'ai peur! Mais il est incroyable celui-là, il a foncé. Non, j'ai foncé dans la barrière, j'ai pas foncé dans le barrage. Centrale, envoyez-moi toutes les unités disponibles. On a besoin d'aide ici. Ok, bien reçu. Ok. Les unités supplémentaires arrivent en renfort. Quoi, véhicule supplémentaire? Oh non, mais moi j'ai jamais demandé ça, moi. C'est pas moi qui voulais voler la voiture, c'est l'autre là. Putain! Voilà, bah nous arrivons à la fin de ce premier épisode sur Need for Speed. Un takeover, j'espère que cette... J'espère que cette... Oui, bah... Oui, bah merci. Ouais, t'inquiète, y'a pas de problème. Oui, bon, bah c'est pour vous dire que ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Enfin, moi, c'était nickel, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.